Oui, l'essentiel. Il y a plusieurs choses essentielles pour moi, mais que je n'ai pas pouvoir, disons, assurer constamment. L'essentiel, qui a été très longtemps pour moi, l'essentiel, c'était de pouvoir bouger, pouvoir non seulement bouger, mais forcer physiquement. C'est-à-dire taper, faire de la poussière, faire du bruit avec mes machines et tout ça. Pour moi, ça a été très important. Et des fois uniquement entendre un certain bruit, ça c'est bien. Bon, mais ça n'a qu'un temps. Je vieillis, donc ça ne pourra pas toujours durer. Alors, la deuxième chose que j'ai toujours eue aussi, depuis longtemps, je ne sais pas toujours, c'est d'être assis et d'avoir un carnet à dessin, ou un carnet avec des feuilles blanches et un crayon, au moins un crayon, quoi. Et là, pas spécialement dessiner ou peindre ce qu'il y a devant moi, mais ce qu'il y a à l'intérieur de ma tête, quoi. Et ça, alors c'est l'aventure à chaque fois, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, et puis ça vient, quoi. Ça vient parce que je pense que c'est nourri par toute une vie, hein. Et là aussi, peut-être qu'après, il y aura la vision qui va baisser, hein. Et la troisième chose là, j'ai toujours eu depuis très très. Alors, depuis. C'est la poésie, quoi. La poésie, pouvoir lire la poésie. Alors, si je ne pouvais plus lire, il faudrait qu'on me la récite, mais pas n'importe comment, quoi. Donc, j'espère que je garderai la vision, un peu de vision pour pouvoir lire la poésie. Et là, c'est pas un nouveau monde qui, c'est pas un nouveau monde, c'est le vrai monde qui s'ouvre, quoi. C'est le vrai monde qui s'ouvre. Et là, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Voilà, quoi. Je pense que la poésie. Et le carnet à dessin, c'est. Je suis un roi. Bon, alors je vais dessiner avec je sais pas quoi. Hein. Ben voilà quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Ah. Hein?